guys, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit dans la précédente que j'allais revenir avec une FAQ. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus faire d'FAQ, mais je vais faire une vidéo, une question et une réponse. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Louvaine, je suis en 5e année de médecine. Je fais des vidéos motivation, des vidéos conseils, des vidéos où je réponds à vos questions comme celle-ci par exemple. Du coup, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous cherchez réponse à vos questions, n'hésitez pas à me follow. Je sais même ce que je disais. Je vous disais, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre, à appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à me suivre sur Instagram car je partage aussi mon aventure en médecine sur Instagram. Je mets mon Instagram juste là, les amis. Et puis voilà, bienvenue. Donc, alors, là, je vais répondre à une question. La question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est une question de Kanaël. Salut, merci pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé. Petite question, que penses-tu qu'il est utile de revoir, réviser avant l'entrée en D2? Ce serait super que tu parles plus de ton expérience en stage aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, la D2, c'est la 4e année de médecine. Donc, il y a 3 cycles en médecine. Le premier cycle, c'est de la PACES à la 3e année. Le deuxième cycle, c'est l'externat. Donc, c'est de la 4e à la 6e. Moi, je suis en 4e année. Là, je passe en 5e année, là, du coup. Et le troisième cycle, c'est l'internat. Et en fait, à la fin de l'externat, on a un examen, l'examen classe nationale, qui pourra nous permettre de choisir notre spécialité et notre ville. Et ensuite, voilà, on va s'exercer durant l'internat pour se spécialiser dans la spécialité qu'on aura choisie, justement. Alors, il faut savoir qu'en 4e année, je pense que c'est comme ça pour tout l'externat, on voit comment prendre en charge un patient. En partant du diagnostic, donc par rapport aux signes cliniques, à des examens complémentaires, jusqu'à la prise en charge, que ça soit médicale ou chirurgicale, pour pouvoir analyser les signes, etc. On a fait en amont tout ce qui était sémiologie, physiologie, physiopathologie, voilà, on a vu un peu tout ça. Je pense que vraiment, pour qu'on puisse bien commencer la 4e année, je pense qu'il serait utile de revoir tout ce que vous avez déjà fait. Je sais qu'en un été, vous n'aurez pas le temps de tout revoir, mais c'est essentiellement revenir sur la base, de bien maîtriser son anatomie, car c'est super important, que ce soit pour les stages et même pour la compréhension des cours et des repères. Ensuite, de revenir sur la physiologie. Si vous connaissez la physiologie, vous saurez à quel moment quelque chose n'est pas physiologique. Je pense que là, c'est assez logique. Du coup, voilà, je pense que c'est vraiment ça le plus important, revenir sur l'anatomie, la physiologie et la sémiologie. Donc, c'est sûr que vous devez absolument revoir votre sémiologie avant d'entrer en 4e année. Et même, vous en aurez aussi besoin pour les stages. Petit plus, pour ceux qui... Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment apprendre l'anatomie. C'est à force de faire, de voir et de revoir et de refaire. Mon meilleur conseil serait de dessiner, même si vous ne cherchez pas à bien dessiner. Vous prenez une feuille, faites comme si vous allez la jeter après. Mais juste pour que vous forciez votre cerveau à réfléchir et à se demander où se situe tel truc par rapport à tel truc. Faire un schéma grossier. Petit truc aussi que je peux vous dire, c'est ok, vous regardez le schéma une fois. Mais après, quand vous essayez de reproduire, vous faites sans le schéma. C'est pour forcer votre cerveau à restituer l'information. Parce que si vous dessinez alors qu'en même temps vous avez la feuille et qu'en fait vous ne faites que recopier, vous n'apprenez pas vraiment et vous perdez juste du temps à faire à dessiner. Vous pouvez faire ça pour le fun, mais si vous voulez apprendre, je pense que ça soit vraiment efficace. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez en voir beaucoup plus. Je vais tourner la prochaine tout de suite là même et vous l'aurez soit la semaine prochaine, soit dans quelques jours. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis à bientôt.